très très belle manche. On a un peu de conditions de mer, ça bouge un peu au large, il y a de la grosse houle. On a fait un beau départ, 24 heures du Mans avec les atmos et les amateurs. On s'est tiré une belle bagarre. Maintenant, je pense qu'on va se reposer ce soir avant d'attaquer notre étape. Écoutez, j'ai abordé cette première journée sereinement. Donc, première course offshore, premier contre-la-montre, où je termine 11e, je crois, et dans ma catégorie. Et là, là c'était un circuit fermé de vitesse. Mais bon, j'ai eu quelques petits soucis quand même avec mes protections. Mais sinon, jusqu'à présent, ça se passe bien. Depuis la première bouée d'Allshot, je suis passé premier. Après, au premier tour, j'ai vu j'avais une longueur d'avance. Après, j'ai vu Pascal Gounou manquer dans le même team qui est juste derrière moi. Donc, j'ai dit, bon, je ralentis un petit peu, on va faire la course ensemble. Ensuite, j'ai vu que Barré l'a déjà doublé. Donc, du coup, j'ai dû accélérer un petit peu pour pouvoir gagner cette manche cet après-midi. Je suis parti très très mal. Je suis remonté assez rapidement sur la tête de course. Après, il faut dire que les personnes naviguent très bien. Donc, après, j'ai mis du temps à remonter. Je pense que j'avais un léger problème sur le jet. Après, je me suis quand même régalé. Donc, le but principal, c'était de ramener la machine et chez chose faite.